Allô tout le monde, j'avais voulu vous ouvrir un nouveau vlog. On commence le mois de juin, en fait, on est le 1er juin, on est jeudi. Puis je pars en voyage dans 8 jours, exactement, le 9 juin. Fait que je me suis dit, ça me tentait comme de vous amener dans mes préparatifs et tout, dans ma petite semaine. Ouais, de vous amener avec moi, il fait tellement beau, genre canicule, là, aujourd'hui il fait 35, ça n'a aucun sens. Ouais, là je suis en dedans, je suis dans ma petite chambre parce que là dans le salon j'aurais pas pu vous parler, l'enclime en marche, fait que ça aurait fait beaucoup trop de bruit. Ouais, donc c'est ça, là je m'en allais juste m'entraîner, je viens de prendre mon petit pré-workout, je m'en ai rangé un peu de linge, journée lavage aujourd'hui, il fait comme vraiment beau, mais là ça fait plein de jours qu'il fait beau, puis je sais pas, là moi quand il fait beau, j'ai pas le goût de faire des trucs dans la maison, j'ai juste le goût d'être dehors, de profiter du dehors et tout, mais là à un moment donné, il faut que ça se fasse, puis annonce-moi encore pour comme tous les prochains jours, fait que ça se fera jamais. Fait que j'ai ça, j'avais du lavage à faire, du ménage, ouais, puis là on a... On a reçu nos bureaux. Fait que là, c'est full excitant. Fait que là, on commence comme Alex qui a fait tout le ménage du bureau parce que c'était plus comme ses trucs à lui, tu sais, les papiers et tout. Puis là, j'aimerais ça d'ici la fin de semaine qu'on organise tout ça. On a monté un sur les deux. Faut démonter comme le bureau qu'il y a déjà dans la chambre. Sa soeur va sûrement le prendre. Fait que le démonter, le mettre à quelque part en attendant. Pour comme tout organiser, en même temps vu qu'on va bouger les meubles, je vais en profiter pour faire comme un gros ménage du bureau. Tu sais, les petits spots comme qu'on va pas tant quand on passe la balayeuse parce qu'il y a des meubles ou des trucs de même. Puis laver là comme toutes les bords de murs et tout. Là, moi, au printemps, c'est pas genre ok, go, je fais toute la maison. Non. C'est trop pour moi. Donc j'y vais une pièce à la fois. J'ai déjà fait la salle de bain, j'ai fait tout le ménage de comme. Tiroir en moins de la salle de bain, ça le fait du bien. Puis là, ça va être le bureau cette semaine. Donc, ça ressemble à ça, là, mes plans pour peut-être aujourd'hui. J'espère qu'on pourra faire le bureau. Tantôt, mes Alex reviennent, il y avait comme des rendez-vous là aujourd'hui. Il est quand même tard, il est rendu presque 3 h l'après-midi. Puis ce matin, j'ai comme réglé de la paperasse. J'ai fait ma facturation là, pour ma job de télétravail. J'ai finalisé. J'ai essayé de finaliser mon inscription à l'université. Dans le fond, moi, je vais avoir comme 4 cours dans ma session. 3 cours avec LUCO. Il y a un cours qui est avec l'université McGill. Fait que j'avais déjà comme envoyé ma demande transuniversitaire. En tout cas, c'est comme compliqué. Puis là, ça dit, j'ai reçu un courriel d'aller comme compléter mon inscription. Puis là, finalement, dans le courriel, je ne m'étais pas rendu compte. Mais ça dit qu'on peut compléter nos inscriptions juste à partir du 14 juin. Trop de bonheur. Fait que je me suis mis un rappel dans mon calendrier pour faire ça. Mais je vais être en voyage. Fait que je vais peut-être au pire le faire, mais que je revienne. Sinon, c'est ça là, de la paperasse dans le genre ce matin. Puis il me reste mon budget à refaire. Dans le fond, j'ai eu une rencontre avec ma conseillère financière hier pour mon retour à l'école. Et puis, je vais refaire, il faut que je refasse mon budget, là, évidemment. Et moi, là, je suis pas bonne. J'ai jamais vraiment eu de budget. Je suis pas de budget dans ma vie. Mais là, j'aurai vraiment pas le choix parce que je travaillerai presque pas. Puis, j'ai des paiements à faire. Donc, c'est ça. Fait que je vais tout refaire le budget en fonction de ce que j'aimerais que ça aille de l'air à partir de septembre avec mes entrées d'argent puis mes paiements à faire. Voir si ça fait du sens le plan que j'ai de travail dans ma tête, comme le nombre d'heures que je me suis prévu de faire. J'espère que oui, parce que plus que ça, je suis pas sûre que je vais être capable. En tout cas, fait que là, il reste ça à faire, mais ça me tentait plus. J'étais tannée, fait que je me suis dit que je prendrais mon petit workout, que je m'entraînerais, puis je ferais ça plus tard. Ça presse pas de toute façon. Ouais, donc ça ressemble à ça. Sinon, pas grand chose de nouveau depuis que je vous ai jasé, ça fait quand même un petit bout là, mais ouais, j'en ai plus comme profité là, pour voir des amis, prendre du temps avec Alex, j'ai été voir ma mère, ma soeur, fait que c'était plus ça là, voir les gens que ça faisait un petit bout que j'avais pas vu, profiter du beau soleil. Comme hier après-midi, on a fait une après-midi piscine chez Félicia, c'était trop le fun avant d'aller travailler. Ouais, parce que j'ai fait des chiffres aussi à l'hôpital de Gatineau, ce qui m'a tenue bien occupée. Donc, ça ressemble à ça, là, mes derniers petits jours. Je vais vous amener là avec moi au travers de ma semaine, de la petite transformation du bureau. Je vous ai filmé comme un avant, puis je vais vous filmer un après. Puis, c'est ça. Ah oui! Là, j'étais comme bien
mitigée parce que là, je recommence l'école, ça va être tout à distance. Fait qu'il faut que je sois bien installée. Mon bureau, ça va. J'aimerais ça m'acheter un petit treadmill, un tapis de marche pour mettre en dessous du bureau. Puis, j'avais besoin d'un ordinateur parce que moi, j'ai juste un iPad. Je ne pensais pas retourner à l'école et j'avais vendu mon Air Mac après l'université. Mon Mac Air, MacBook Air après l'université. Mais là, avec juste un iPad, c'est pas assez dans le fond pour faire mes cours parce que je vais être en Zoom tout le temps, mais c'est vraiment comme en présentiel, c'est simultané, tu sais. Fait que là, si je mets mon Zoom sur mon ordi, il faut que je prenne, sur mon iPad, il faut que je prenne comme mes notes, moitié de mon iPad, l'autre moitié Zoom. Fait que tu sais, c'est vraiment pas gros. Puis ça veut dire qu'il faut que je fasse toutes mes notes à la main. Mais moi, ce que j'aime du iPad pour prendre mes notes, c'est que je peux utiliser mon crayon. Mais là, si j'ai mon Zoom dessus, je peux plus faire ça. En tout cas, fait que là, finalement, je voulais comme m'acheter un ordi. On avait regardé pour juste m'acheter comme un écran d'ordi, ce qui m'aurait pas trop coûté cher, puis que je peux plugger mon iPad dedans, parce qu'Alex fait ça avec son écran d'ordi, lui il a comme un gros ordi, mais il plug son iPad dedans, puis c'est comme juste une extension, fait que ça aurait été parfait. Mais la caméra resterait sur mon iPad, je peux pas m'acheter juste genre une webcam à mettre sur mon juste pour l'écran. On a checké, on a fait des recherches, puis ça marcherait pas. Fait que finalement j'ai été avec l'option du iMac. J'avais pas le goût de me racheter comme un MacBook, tu sais, un Air ou un Pro, parce que j'ai déjà mon iPad qui fait comme un peu cette job-là, tu sais, de portable que je peux amener avec moi quand je vais ailleurs. Donc j'ai décidé de m'acheter un iMac, vraiment l'ordinateur de bureau. Mais je trouvais ça quand même cher parce qu'il était 1600 ou 1709. Fait que c'était quand même cher. Fait que finalement, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que sur Apple, on pouvait acheter des refurbished. Puis là, vu que c'est vendu vraiment par Apple, on dirait que je faisais quand même confiance que l'ordi soit vraiment bonne, comme, t'sais, que ça soit bon. Puis il y a quand même une garantie de 1 an avec. Fait que j'ai fait ça, je l'ai acheté, c'était quand même 350$ de moins. Je fais quand même choisir ma couleur. Il y avait comme 4 options sur les 6-7 couleurs, je pense, qu'ils ont de iMac, mais la couleur que je voulais était le bleu. Il l'avait. Fait que j'étais fou contente. Fait que j'ai commandé ça hier finalement. Moi, de commander des grosses affaires de même, là, ça me prend du temps de décider. Et Alex, il était tanné hier de m'entendre tergiverser à savoir si je l'achetais, si j'attendais, qu'est-ce que je faisais. Fait que finalement, il est comme là, tu vas finir par le faire de toute façon. Fais juste l'acheter parce que je te connais, mais que tu t'es passé la commande, après ça, tu vas être impatiente de l'avoir. Évidemment, il a raison. Je l'ai acheté hier. Mais je suis pas si pire, tu sais. J'ai hâte, mais je suis pas genre full énervée, puis genre faut qu'il arrive. Fait que c'est ça, il était supposé d'arriver mercredi prochain, le 7 juin. Puis finalement, selon mon tracking de UPS, il va arriver lundi le 5. Je suis quand même contente, t'sais, 2 petits jours d'avance. Fait que je vais avoir un peu plus de temps aussi pour comme le setter, puis t'sais, gosser avec, puis tout avant de partir en voyage. Donc c'est ça, ça ressemble à ça, c'est quand même. C'est mes petites nouvelles, là. Ça fait déjà 8 minutes et demie que je vous en jase pour pas dire grand-chose. Fait que je vais vous laisser là-dessus pour tout de suite, puis on se reparle un peu plus tard. Allô tout le monde! Je suis full excitée! Je viens de recevoir mon ordi! Oh my god, j'étais supposée recevoir à la base mercredi prochain. Après ça, hier, ça disait lundi. Puis là, on est vendredi le 2 et je viens de le recevoir. Puis pour vrai, j'ai genre les best voisins ever. Excusez, je suis en train de boire mon petit pre-workout. Je vais m'entraîner, là. Il est rendu tard l'après-midi. Mais je suis allée passer l'après-midi chez Philly pour faire de la piscine. En tout cas, fait que je vous disais, j'ai les best voisins ever. Dans le fond, ils sont passés pendant que j'étais chez Philly pour l'après-midi, comme prendre du soleil, puis la piscine, puis tout. Puis il a ramassé mon colis parce que le gars de UPS, il a dit que t'sais, ça irait juste à la semaine prochaine, dans le fond. Fait que Lisbelle, il dit je trouvais ça loin. Fait que il dit j'ai signé pour toi. Là, j'étais comme oh my god, merci, c'est trop gentil. J'étais genre, j'aurais été triste de l'avoir juste la semaine prochaine. Fait que c'est ça, là. J'étais genre, faut aller, je vous compte ça, là. J'étais ben trop contente. Fait que là, je vais m'entraîner, puis je vais défaire ça. Checker, on voit la petite boîte ici. Ben, petite, elle est quand même très grosse. Puis là, il était trop cute. Il me donne la boîte, puis il est au sol. Puis moi, au troisième, il est comme, si vous voulez, vous attendre que votre mari arrive, là, pour qu'il monte la boîte. Je dis, ben non, inquiétez-vous pas, je suis capable. Comme vous êtes sûr, il dit, essayez voir. Puis là, j'ai pris la boîte. Elle est grosse, mais elle est pas si lourde que ça. Fait que c'est ça, là. Je suis full excitée. Je vais pouvoir vous montrer après ça un petit après, parce que hier soir, on a monté les bureaux.
Fait que, ouais. Là, je suis comme, en avant de la fenêtre, c'est bizarre, là. Je vais vous montrer. Comme du monde qui ont droppé une espèce de grosse boîte, caisse. J'ai aucune idée. Genre, direct dans des stationnements. Je comprends pas. Ça dit dessus, genre, storage. Mais comme, pour vrai, là, ça prend, genre, trois stationnements. Ben, comme, ouais. C'est vraiment weird. En tout cas, c'est tout. Je voulais juste vous dire mon excitement, genre d'avoir mon ordi. Puis, comment que j'ai trop des bons voisins. Je vais vous tourner la caméra, par exemple, pour vous montrer l'histoire du pod. Mais ils vont peut-être pas le laisser là. On dirait qu'ils vont le bouger. Je suis vraiment sneaky. Genre, moi, j'habite en condo. Puis, comme ça me va bien. Là, genre, je suis vraiment même heureuse. J'aime se checker qu'est-ce qui se passe. Mais, c'est weird, en tout cas. C'est genre vraiment dans les place où est-ce qu'elle allait, c'est son stationnement, mais au moins le sien est libre, là, fait que mec qui revienne, il donne un cours aujourd'hui. Fait que mec qui revienne à soir, si c'est encore là, cette histoire-là, il va être good. Je sais pas, on dirait qu'il la ramasse. Elle était pas là, je suis arrivée il y a genre 10 minutes, puis c'était pas là. Puis il la drop, mais on dirait qu'il la reprenne, je comprends rien. Ok, je vous montre ça, je vous donnerai des nouvelles de ça. Je vous tourne la caméra. Je suis en check-in. C'est ça, là. Oups, là, mon gros doigt. Ça. Genre. Je comprends pas. Trop qu'est-ce qu'ils font avec ça. On dirait qu'ils vont leur prendre la bougie. En tout cas, je vais redonner une nouvelle plus tard, voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec la boîte. Oh, checker ça, ça bouge. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais ça bouge. Je comprends pas pourquoi ils l'ont droppé pour après la rebouger, genre. Je comprends même pas c'est quoi. On dirait que ça va tomber, oh my god. Je comprends pas. Oh, peut-être qu'ils vont juste la mettre dans un espace de stationnement de une personne. En tout cas, je vais vous montrer les résultats finaux. Sacha, c'est. Je suis vraiment même heureuse. Hein? C'est le temps des déménagements qui arrive bientôt. Peut-être que c'est quelqu'un comme qui s'est fait venir sub, parce qu'il est marqué Moving and Storage dessus pour comme tout pacter son stock là-dedans, puis qu'ils vont venir le rechercher après pour déménager. C'est ça. Parce que tu sais, ça a l'air d'être comme quand même une bonne largeur pour prendre juste comme un espace de stationnement. Fait que ça pourrait être ça. Putain, je trouve ça un peu large pour un espace de stationnement. Je suis vraiment ma mère, j'adore. J'adore ça. C'est une passion pour moi, genre checker ce qui se passe autour. Alex rirait bien de moi d'être planté en avant de la fenêtre de même puis checker. Mais je vais finir bon mon petit pre-workout. Je vais faire ma vaisselle puis je checkerai qu'est-ce qu'il y en a après. Que je vous ai pas jasé, je voulais vous dire comment mes petits préparatifs de voyage vont, dans le fond. Ouais, parce que je pars dans 2 jours, c'est fou là, comment que le temps va vite là. Oh my god. Ouais. Donc là, je me suis dit que je vous en jaserai un peu avant d'aller travailler. Là, je suis assise sur mon lit, je vais m'habiller là après ça pour aller travailler. Mais ouais, là j'ai fait comme vraiment toute ma liste vraiment exhaustive de qu'est-ce que je vais mettre dans mes bagages. Je pense que tout ce que j'ai pas écrit là, c'est genre bobette. Même brassière, j'ai écrit parce que ça va être comme plus des brassières de sport et tout. Donc, j'ai finalisé ça tantôt. J'ai même tout écrit mes trucs de salle de bain que je vais amener. Donc, demain, je pense que je vais comme tout sortir ça pour faire sûr que ça rentre. Ouais. Sinon, là, aujourd'hui, j'ai fini de frotter mes espadrilles passons blanc. Puis, ils étaient vraiment comme plein de sable parce que je les avais amenés à WMG la dernière fois. Ça a full bien marché. J'ai mis juste du sachetage le plein ordinaire, là, genre le chante. Puis j'ai laissé tremper dans de l'eau chaude une couple de jours. Là, ça aurait pas été nécessaire aussi longtemps, mais j'avais oublié de les enlever avant de les frotter. En tout cas. Puis j'ai fait la deuxième étape pour mes bottes. Je les avais comme toutes lavées avec le produit fait exprès. Puis là, aujourd'hui, j'ai mis comme la petite cire. Je vais vous avoir mis un petit clip là, de moi qui cire ma deuxième botte. Ça a full été rapide, fait que je suis quand même contente. Puis ça ressemble à ça. Sinon, j'ai plus d'achat à faire. Je me suis acheté un beau petit speaker. Sur Amazon, attendez. Il était bien installé, là, mais je pense que ça vaut la peine que je vous montre ça. J'ai trouvé quand même une bonne deal.
J'ai regardé avec Alex un peu les meilleures marques, mettons, de spigules, mais pour pas trop cher. Puis je voulais quelque chose de portatif. Donc, j'ai acheté, regardez comment qui est cute, un mini spicule. Comme ça, c'est un Sony. Le son, il est vraiment bon. Il est tout petit. Fait que full bien portatif. J'étais full contente. Puis, c'est ça, petit achat Amazon. Donc, c'est cool. Puis, sinon, ça ressemble à ça, là, l'avancement là, pour mes préparatifs. J'avais écrit à Evelyne, là, il y a une couple de jours, faire sûr que, comme j'oubliais rien, puis elle non plus, puis que, parce qu'elle appartient en fait, semaine passée, puis faire sûr, tu sais, qu'il n'y avait rien de fou l'important qu'on avait oublié là, de réserver whatever, là. Mais comme non, mais ça m'aide à moi à me sentir moins stressée. Donc ça ressemble à ça. Sinon aujourd'hui, j'étais allée faire mes petits cils. Tantôt ce matin, c'est genre un beauty day. J'ai fait faire mes petits ongles. Checkez ça comment c'est cute. Un beau focus. Même. Puis le petit pouce rose un peu. Fait que ouais, juste les petits tips. Je trouve ça cool, cute. Puis hier, là. J'étais allée chez la coiffeuse. Ah oh ouais, on voit quand même bien. Attendez. Refaire mes mèches. Là, ça fait un petit bout qui sont comme attachés de même. Fait que mes cheveux, ils pognent vite comme la curve. Mais ah oh ouais, on voit full bien là. Ça fait tellement du bien. J'aime ça être genre plus blonde pour l'été. Puis pour vrai, waouh. Fait que je suis full contente là. La seule affaire hier, comme je vais refaire mes cheveux. Puis j'avais dit, tu sais, je travaillais à 4h hier. Puis mon rendez-vous était à 11h. Quand j'ai pris le rendez-vous, j'ai fait sûr avec elle que ça serait fini par 3, à 3h. Max, fallait que je parte du salon. Je suis partie de là à 3h15, comme j'ai poussé les fesses là. Puis là, elle était comme, t'es sûre que je peux pas comme les friser? J'étais genre, non, non, non. Genre, j'ai pas le temps là. Je peux pas avoir tort à ma job, moi là. Genre, c'est pas un approximatif 4 heures là. Fait que là, je me suis emmenée full vite à la maison. J'ai appelé Alex en revenant. J'ai demandé qu'il me fasse un lunch. Puis finalement, tu sais, moi d'habitude, j'arrive genre à 3h30 à job. Puis on prend le rapport à mon corps là. J'étais arrivée à 3h40. Fait que j'étais correcte, mais j'étais comme stressée là. J'étais arrivée full essoufflée. J'étais comme, oh my god. Mais finalement, tu sais, j'étais bien correcte là. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, là, le bureau, ça l'avance full bien. Tous les bureaux sont installés. J'ai reçu ma chaise, j'ai reçu mon ordi. Fait que je suis full contente. Tout ça est installé. Je me suis commandé comme un tapis de souris, mais comme plus grand, là, pour mettre aussi mon clavier et tout. Puis, on est allé au IKEA acheter des pegboards pour mettre. C'est comme des boards avec des petits trous que tu peux comme accrocher des. Plein de trucs de comme rangement. Ça va être tellement beau. C'est Alex qui a eu l'idée en plus. C'est tellement nice. Mais là, c'est comme pas installé encore. Fait que, il reste ça à installer avant que je vous montre la finalité du bureau. Fait que ça se peut que ça aille plus dans un vlog comme mai que je revienne parce que là, je pense pas qu'on va avoir le temps de faire ça. Parce que je travaille ce soir. Alex, aujourd'hui, de toute façon, est à l'école puis il va souper chez un ami après à Montréal. Fait qu'il va revenir super tard. Puis demain soir, je travaille. Puis ça, c'est s'il revient à soir. Ça se peut qu'il dorme là puis qu'il revienne juste demain matin. Puis vendredi, je m'en vais. Fait que, ça se peut que ça soit le dévoilement du bureau. Dans un prochain vlog post-voyage. Ouais. Et puis sinon, là, je sais pas si vous avez suivi, comme en ce moment, il y a plein de feux de forêt partout comme au Québec, genre vraiment intense. Puis ici, là, ça fait 3 jours là, que la qualité de l'air est vraiment mauvaise parce qu'il y a plein de boucans, c'est fou, là, on sort dehors, puis ça sent comme le camping, ça sent le feu de bois. Mais genre, c'est triste, là. Il y a plein de villes puis de villages qui ont été évacués, puis je trouve ça vraiment comme. Je trouve ça triste, là. J'espère que Dame Nature va être de notre bord dans les prochains jours, qu'il va mouiller, puis que, tu sais, je sais que la pluie réussira pas à éteindre les feux de forêt, mais ça pourrait peut-être aider à en contrôler, parce que quand que je le disais, tu sais, je voyais que la sauve-feu, ils sont full débordés, ils sont même pas capables de gérer tous les feux. Il y a plein de feux qui sont juste hors contrôle. Ouais. Je pense que pour l'instant, il n'y a comme aucune maison, mettons, qui ont été atteintes. Il n'y a pas eu de blessés non plus. Ça peut être comme plus des chalets, puis vraiment juste de la forêt. Mais ça se rapproche dangereusement de certaines villes, slash villages. C'est vraiment partout au Québec. Je trouve ça full triste. En tout cas, vivement les changements climatiques. Donc c'est ça. Là, je vais vous laisser. Faut que j'aille me préparer. Faut que j'aille faire mon petit lunch, puis que je m'habille. Fait que je vous laisse, puis je vous rejase peut-être demain ou genre vendredi. Puis, ouais, pour comme clore le vlog préparation de voyage, là, je vais essayer de vous filmer pendant que je fais, je pense, comme ma valise.
Ouais. Fait que je vous rejoins ça dans les prochains jours.